Ardoise. Putain, quoi? Bien vite, c'est la merde. Y'a que l'océan qui est arrivé, faut se tirer. Mais l'océan? Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est lui qui gueule, là? Eh oui, il est torché, ils sont déprés à la fille, là. Quelle fille? Mais l'autre fille, là, la copine de Manny. Lysinia? Ouais, il tira pour tout de suite avec Manny si jamais il vous reconnaît, avant de retomber sur la gueule. Bon, tu comptes faire quelque chose ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont en train de dérouiller Lysinia, putain, je fais quoi? J'attends que ça passe? Mais c'est un supérieur, même si je demande aux autres de le maîtriser, ils bougeront pas. Arthur, c'est toi, vous vous tirez tout de suite avant de vous faire repérer, c'est la seule chose à faire. Arthur aussi fait ce qu'il veut, moi je laisse pas faire ça. Fonce dedans! Non, arrête, non, arrête! Manny! Manny, arrête! C'est peut-être le moment de te faire ma demande. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Vous voyez où ça mène, vos conneries? Combien de coups de fouet je vais me prendre sur la gueule maintenant à cause de vous? Vas-y, va sauver mon tapon. Celui-là, vous lui faites ramasser son bordel. Allez, il faut partir. Bon, allez, on retourne à ses occupations là. C'est pas un spectacle de rue, hein. Allez, filez. Allez, il est encore assis celui-là. Vous me le déblayez, vous ou non? Valérius. On repasse dans une heure. Si tes merdes sont encore là, je te les fais bouffer une par une. Compris? Allez, on y va. Allez, mesdemoiselles, on file. Vous les retrouverez à la prochaine permission. Allez, circulez. Dernier rapport des espions, l'ennemi s'apprête à tenter une percée par l'ouest. Il y a moins de 3 semaines, ils s'attaquaient à l'est. Si ces imbéciles réunissaient ne serait-ce qu'une seule fois leurs forces pour attaquer des deux côtés en même temps, ils reprendraient l'île de Bretagne en une seule vague. Combien de décennies encore jouerons-nous ce spectacle absurde? Eux, au nord, nous, au sud, et le mur d'Adrien au milieu, qui dessine son immuable ligne de démarcation. Ici, la stratégie ne sert à rien. Les règles martiales ne s'appliquent plus quand l'ennemi n'en a pas le moindre enseignement. Leur énergie n'est pas celle de la rébellion ou du patriotisme. Ces ennemis-là ne connaissent que le courage conféré par l'orgueil, la vexation et la mauvaise foi. J'ai décidé aujourd'hui
J'ai proposé une somme d'argent colossale à leur chef, en échange de sa parole de ne pas attaquer. La tradition, chez ces brutes, veut qu'un chef ne peut pas rompre un serment. J'ai honte d'opposer ainsi aux frondes adverses la lance fourbe de la cupidité. Mais en Bretagne, la honte s'envole et ne retombe jamais. Ni sur moi, ni sur la Légion, ni sur Rome. Dites, vous voulez pas grignoter une bricole ? Quoi ? Ouais, déjà hier soir, vous n'avez rien avalé. Alors, si vous voulez, je peux vous arranger un petit quelque chose avec des restes. Non. Ouais, vous rattraperez ce soir. Le tueur a relevé les collets. La prise est bonne. Hein. C'est ça. Bon. Hé, les gars. Vous savez ce qu'on bouffe ce soir ? Du lièvre. Alors là, cette fois-ci, la coupe est pleine. Je crois qu'on a été plus que patients. Salutieuse. J'espère que tu t'en rends compte. Je ne me rends compte de rien. On passe pour des glands du nord au sud de l'Empire, ils voient même pas. Bah non, ils voient pas. Mais c'est parce qu'ils naviguent dans d'autres eaux. N'oubliez pas que Lucius Silius Sallustius prend ses ordres de César lui-même. Je vais vous dire, le jour où j'ai accepté d'être sénateur, j'aurais mieux fait me péter une jambe. Ça peut encore s'arranger. Bon, je crois que j'ai à peu près saisi le concept. En résumé, vous n'êtes pas content. En résumé, pas vraiment, non. On a paumé l'Afrique. On a paumé l'Asie mineure. Un jour, on va paumer nos frocs, et ça n'inquiète personne. Et la Bretagne ? Vous voulez qu'on en cause un peu de la Bretagne ? Oh non, pas la Bretagne. La Bretagne ! Ça, c'est le bouquet ! Combien de temps ça fait qu'on rame en Bretagne ? Combien de temps ça fait qu'on n'est pas foutu de passer le mur d'Adrien ? Depuis qu'on l'a monté, 300 piges. 300 piges ! 300 piges qu'on passe pour des cons. À Ravenne, ils se foutent de nous. À Byzance, ils se foutent de nous. Oh, j'admets volontiers qu'on soit un peu de vous partout dans l'Empire et qu'on vous tient pour une solide équipe de connards. En revanche, est-ce que vous êtes sûr que c'est à cause de la Bretagne ? Non, mais je vous pose la question. Qu'est-ce que vous discutez, là ? Non. Venez, on y va. La Bretagne, c'est un signe. Si la Bretagne, ça avançait un peu, hein ? Si on avait la main véritablement dessus, par exemple. Sur toute la Bretagne, pas seulement la moitié du bas. Qu'est-ce que vous avez ce matin avec la Bretagne ? On dit la Bretagne parce que c'est petit. Voilà, puis qu'on en a déjà la moitié. Juste une petite conquête, Salestius. J'ai une moitié de conquête, juste une. Qu'on puisse se balader sans trop raser les murs. C'est quand même pas grand-chose, la Bretagne. Et comme ça, on serait pas obligé de te retirer notre confiance. Bah, vous ne suivez pas, vous ? Bah, je sais pas, tu vas où ? Bah, nulle part. Je voulais juste faire une phrase bien, et puis après, tac, on s'en va tous ensemble. Alors, si je m'en vais tout seul, là, j'ai l'air un peu con, non ? J'en ai marre, vous deux. Vraiment. Manilius, pourquoi t'es pas venu à l'entraînement ce matin ? Je suis revenu de la patrouille avec une cheville enflée. Cheville enflée ? Et ça va mieux ? Si je bouge pas trop, ça va. T'auras pas besoin de trop bouger, je te supprime 2 semaines de permission. Ah bon. Mais en fait, j'ai déjà 3 semaines en moins à cause de la nourriture. La nourriture ? Quelle nourriture ? La nourriture que j'ai volée. Mais qui t'a collé 3 semaines ? Procyon. Oh ! Tu veux faire du cachot en prime ? Pardon. Aulos Milonios Procyon. Je comprends pas, il m'a rien dit. Peut-être qu'il a changé d'avis ? C'est ça. Bougez pas de là, vous deux. Je vais lui poser la question. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? J'ai refusé de taper Papinius à l'entraînement. Tu le saurais si t'étais venu. Pourquoi ? Parce que je veux pas taper sur Papinius. Non, mais pourquoi ? Si c'est un ordre. Parce que je veux pas. C'est pas tellement à toi de choisir. Dis donc.
Je sais pas si t'es bien placé pour me donner des conseils. Manny, t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es demandé au parloir. Mais passe par les toits, y a du monde dans la cour. C'est qui? C'est Lysinia? Ouais. Et j'en ai plein d'autres vers messager pour toi et ta gonzesse. Un jour, je vais me faire coller avec des conneries. Tiens, tu peux me prendre ça? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Ça daube, c'est plein de sueur. Je peux pas l'avoir avec ça. Non, non, mais c'est pas que la tunique qui daube, c'est tout l'ensemble. Je te signale que Juventus va revenir, t'es pas censé te barrer du bureau. Tu trouveras un truc à dire. Et toi, tu te fais pourrir à cause de ce matin? Oui. Ouais. Moi non plus, j'aime pas quand on se tape dessus entre nous. Seulement. Seulement quoi? Seulement si on suit pas les ordres. Juventus! Bon, effectivement, il t'a mis 3 semaines. Bah oui. C'est-à-dire, il a été obligé de s'absenter à cause de sa cheville. Tu te fous de moi? Et ça? Ouais, il a laissé sa tunique. Pourquoi faire? Je sais pas. Bon. Bah, il est pas prêt de sortir prendre l'air, celui-là. Valérius! Va me chercher Manilius et Otro! Bon. Qu'est-ce qui t'a pris de discuter mes ordres? Je suis désolé. On veut pas taper sur son copain Papignos, c'est ça? Sur un champ de bataille, t'as pas le temps de réfléchir, je te signale. On me dit de taper, tu tapes! Enfin, sur un champ de bataille, j'ai quand même peu de chances de tomber contre Papignos. Ça finit, oui. Papignos ou un autre, tu fais ce qu'on te dit et c'est tout. Quand même un coup à la trachée. Et alors? Ça peut te sauver la mise, le coup à la trachée. Il faut le travailler, le coup à la trachée. Oui, mais pas sur Papignos. Mais Papignos, on s'en fout. Ça existe pas, Papignus. C'est rien, c'est anonyme, Papignus. Tu vises la trachée et t'envoies. L'autre, il peut plus avaler, il tombe, et terminé. Oui, terminé, j'ai pas buté Papignus quand même. On n'en meurt pas forcément du coup à la trachée, crétin. Bah, je suis désolé, j'y arrive pas. J'en ai marre de ta tronche, Arthurus. T'es balèze en stratégie parce que tu passes ton temps à lire, mais tu réfléchis trop pour un soldat. Je sais pas ce qu'on va faire de toi, mon pauvre vieux. Allez, fous le camp. Hé! Tu rendras ça à ton pote, et t'en profiteras pour lui dire qu'il est bon pour 2 jours de cachot. Ça lui apprendra à quitter mon bureau sans ma permission. C'est pas facile, figure-toi. Pour moi non plus, c'est pas facile. Ça fait une semaine que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu fous? Je me fais sucrer toutes mes permissions, voilà ce que je fous. Toutes les permissions de la semaine? Exactement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait prendre en train de piquer de la bouffe pour toi en plus. Quand est-ce que tu pourras sortir? Je sais pas, ils ont pas encore décidé. Eh, faut que j'y retourne là maintenant, parce que s'ils me trouvent ici, c'est toutes mes permes de l'année qui sautent. Tâche de trouver un moyen, Manny, parce que je te jure, ça devient dur là. Tu piques de la bouffe? Je pique un peu, sauf qu'au marché, ils commencent à connaître ma tête. Tu fais pas le tapin? Non, je fais pas le tapin. Mais si je trouve pas une solution, il va peut-être falloir que je m'y mette. Mais attends. Mais j'y vais, il y a une patrouille, là. Signia. Salut, Stios, s'il te plaît. Me dis pas que tu prends ces pignoufs au sérieux. Aujourd'hui, tu leur donnes la Bretagne, demain, ils te demanderont autre chose. Ce qui compte pour eux, c'est d'emmerder le monde. Je me préoccupe, Servius. Ça... ça me préoccupe. Ils connaissent rien à la politique. Rien à la défense, rien n'a rien. Desticius, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir combien il va toucher. Flaqueux, il est beurré 24 heures sur 24. Si je n'ai pas leur soutien, Ravel centralisera toutes les décisions à la mort de César. Voilà. Pour conserver un pouvoir exécutif romain, j'ai besoin de ces abrutis. C'est aussi simple que ça, mais ça me coûte par mes nerfs. Ça me coûte. Tiens. L'Orco. Tiens, t'avais pas fini tout à l'heure au Sénat? C'est juste l'entracte. Dis-moi,
Salustius. L'épée des rois. Ça t'évoque quelque chose? L'épée des rois? Non. Une légende bretonne. Une vieille épée coincée dans un rocher que seul l'élu des dieux arrive à retirer. À ton avis, pourquoi est-ce que tous les chefs qu'on essaie de placer chez ces tarés sont pas foutus de fédérer le pays? Parce qu'ils sont romains? Non. Non. C'est parce qu'ils ont pas l'épée des rois. Chez ces cons, le roi peut être romain, sassanide, chinois. Ce qui compte, c'est qu'il ait l'épée des rois. Si tu te débrouilles pour la récupérer, cette épée, tu mettras qui tu voudras à la tête du pays. Qui tu voudras. Tu penses à ça? Je parle un peu comme un père, hein, mais j'aime bien le côté. Je viens donner un renseignement énigmatique et puis hop là, je fous le camp. C'est dramatique. De Bretagne. Hmm? Alors, on ne reçoit pas. Si jamais on en reçoit, faut que moi je ne les lis pas. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de légende, là? Hmm? Je pense que tout ce qui vient de l'Urco, je m'en méfie comme de la peste. Essaye de te renseigner. Renseigner? Et comment je fais, moi? Trouve un breton. Ah bah ouais, c'est simple, ça. Bien sûr, c'est simple. Regarde, vois. Notre glorieuse cité cosmopolite. Regarde. Carrefour de civilisation. Hôtesse orgueilleuse de peuplade fascinée. Regarde. Nos pourchassés qui n'existent plus de vrais romains, hein? Hein? Allez, trouve un breton. Trouve. Ah ouais. Bah quand même! Quand on t'appelle, tu radines. Fais pas de détour. Ah, j'ai pas fait de détour. T'as une permission ce soir? Bah oui. Ah bah t'en as plus. Il y a une fête Villa à Cognard, on m'a demandé un service d'ordre, c'est toi qui feras les entrées. Allez, barre-toi. Ouais. Mais je comprends pas. Je croyais que vous vouliez qu'on y aille. Ouais. Pour picoler, ouais. Pas pour faire le service d'ordre. Tiens. L'autre con qui revient. Qu'est-ce que t'as oublié, débile? Ah oui, oublio ce service capito. T'avais demandé un rendez-vous? Non. J'ai pas envoyé de fleurs non plus. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Je vais consulter le registre. Le registre de la caserne? Bah, tant qu'à faire, ouais. On en a un, de registre? C'est possible. En tout cas, quand je t'ai laissé les boutiques, il y en avait un. Et à jour. Oui, mais tu me l'as laissé il y a 15 ans, la boutique. Je peux pas t'assurer que tout soit resté à la même place, hein. Le registre... On s'en sert pas tellement, du registre. Surtout si vous savez pas où il est. Dis-moi plutôt de quoi t'as besoin. Du registre. Bon, ben, vas-y. Vas-y où? Cherchez le registre! Allez, dis-le. Non. C'est où, la Villa Machin? Je te dirai pas. Caillasse, t'as l'occasion de me faire rentrer dans une fête de riches. Arrête de faire ta grosse chienne et dis-moi où c'est. De toute façon, t'as même pas ta perme. Je m'en fous, je fais le mur. Je parie qu'il y aura des tables pleines de bouffe là-bas. Hein. Du gibier, des petits pains, des desserts.
Mais tu vas me foutre dans la merde, Mani. De toute façon, ta permis est déjà sucré. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive de plus? Des coups de fouet. Mais non. Allez, c'est où? Du premier coup, je l'ai trouvé. Pas du bol, ça? Et il a trouvé quoi? Change pas de conversation. C'est dans le quartier des villas, c'est ça? Encore? Oui ou non? Bah oui, puisque c'est une villa, donc... C'est une villa avec des colonnes ou sans colonnes? Je dirais pas. C'est une grande villa ou une petite villa? Je te dirais pas. De toute façon, des villas avec des colonnes, il y en a pas 50. Est-ce que je t'ai dit qu'il y avait des colonnes? Il y en a pas? Si. Ah. Chier. C'est celle avec la fresque bleue? Tu dis que ça date de quand? Bah, du début de mon poste, il y a une quinzaine d'années. Deux petits gamins de 5 ou 6 ans. Hein. Il me semble qu'il y en avait un des deux qui venait de l'île de Bretagne. Tu vas me chercher celui-là. Grouillet! Bon, depuis quand t'inscris plus personne là-dedans? Depuis quand? Mais tu savais pas où il était, ça veut dire que tu t'en sers plus? Quand est-ce que t'as arrêté? J'ai jamais commencé. Ah oui? Oui. On a besoin de savoir d'où tu viens. D'où je viens? Où t'es né? Dépêche-toi! N'aie pas peur et réponds. Syracuse. Détourne pas la conversation. Syracuse, c'est en Bretagne ou pas? Bon, est-ce que tu connais un autre soldat qui serait arrivé en même temps que toi? Du même âge? Ben, il y a peut-être Arturos. On a 2 ans de différence. Foutez le camp, me le chercher! Pardon, mais s'il était arrivé la même année, il serait sur la page d'avant ou la page d'après? Il y est pas. Bah non. Ça, c'est les souris, ça. Regarde, il y a d'autres feuillets qui sont tout mangés. Ça s'enferme, les registres. Ah bon? Ouais, et les trous du cul qui font pas leur boulot, ça s'enferme aussi. Ah, le blanc. Allez, dis-nous d'où tu viens. Comment? D'où tu viens? Ben, du dortoir. Mais où t'es né, crétin? T'es pas dans le registre! Hé, doucement, là! Est-ce que tu es né sur l'île de Bretagne? Sur l'île de Bretagne? Je sais pas. Ah, tu sais pas où t'es né? Bah, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours plus ou moins été ici. Non, t'as pas toujours été ici, non? On n'accouche pas des gonzesses, ici. T'es né quelque part avant d'être ici. On t'a aucun souvenir? C'est-à-dire, quelques trucs, quoi. Un barbu. Un barbu? Oui, un grand barbu, mais franchement, c'est vague. Le nom de ton père, c'est quoi? Je sais pas. Ton nom à toi, c'est quoi? Arturos. Arturos quoi? Arturos, c'est tout. Si. Non, il me semble que... Je crois que j'ai pris un bateau. Un bateau? Ouais. Quand on vient de Bretagne, on prend le bateau. Bon. Eh ben, tu vas venir avec moi. Où ça? Pose pas de questions. Tirez où on te dira d'aller. Allez, viens. Ah oui, Servios. Hésite pas si t'as autre chose à me demander. Non mais oh, tu me prends pour une auberge ou quoi? Ça, juste une ou deux nuits, je te demande pas souvent quelque chose quand même. Mais t'as rien à me demander, je suis pas ta sœur. Bon attendez, si c'est pas possible, c'est pas possible. Attends, toi tu laisses faire chérie, tu te calmes un petit peu. Écoute, la petite vient d'arriver en ville et connaît personne à part moi. Eh ben justement, pourquoi tu l'héberges pas toi? Bah non, quand même, je le connais pas. Ah mais moi non plus, tu me connais pas. Bah, on se connaît quand même un petit peu maintenant, Biquette. Bon dis donc, on se connaît pas assez pour que tu m'appelles Biquette. Ok. Bon, c'est compliqué là. Ouais, là c'est pas compliqué, hein. C'est tellement petit que j'ai même pas de table. Tu me diras, ça tombe bien, j'ai rien à bouffer. Eh ben voilà, tiens, tu me loges la copine et je te trouve un morceau d'agneau. Morceau comment? Un bon morceau. Je veux que ça fasse aussi pour Manilios, s'il passe me voir. Ah putain, un morceau pour deux? Ben non, un morceau pour trois, la copine, elle va pas nous regarder bouffer. Ben voilà, t'as gagné, toi. Allez, donne-moi ton sac, va. Non mais tiens, prends-le, parce que j'ai déjà le citron. Oui? Tu veux boire quelque chose? Détends-toi. Comme vous voulez. C'est toi qui me dis. Ben, je sais pas, et qu'est-ce qu'on peut demander? Ce que tu veux. Bah, ben, du lait de chèvre, alors. Bon, alors... Comme ça, tu es breton? A priori, hein, il est breton. Mmh. Il a aucun souvenir de la Bretagne. Et s'il a aucun souvenir de la Bretagne, pourquoi tu me l'as amené, alors? Vous me demandez un breton, je vous amène un breton. L'épée des rois,
Ça te dit quelque chose? L'épée des rois? Mm-hmm. Une épée qui est coincée dans un rocher. Oui, c'est... Ça doit être un genre de tradition. Quand on est gamin, on doit tirer une épée d'un rocher. Ah, bon. Bon. Mais tu l'as déjà vu faire? Oui, enfin, je me souviens vaguement. Hein, elle est plantée dans un rocher. On tire dessus, ça fait des flammes. Et on... Il y a du monde autour. Enfin, c'est comme un genre de fête, quoi. Mais quand on la retire, on devient pas roi? Roi? Non, non. Non, je vous dis, c'est une tradition. Quand on est gamin, on tire sur une épée. Après, je sais pas à quoi ça correspond, mais... Mais je comprends pas. Tous les gamins font ça ou... Ben oui, je l'ai fait, moi. Ah. Mais les autres gamins, tu les as vus faire aussi Je sais plus. Je sais plus. Je me souviens qu'il a fallu me porter parce qu'elle était trop haute. Et comment ça, qui t'a porté? Un barbu. Encore? Non, mais c'est le même. C'est qui ce barbu? Justement, il sait plus. Je sais plus. J'ai bu. Bon, Arturus, tu vas retourner à la caserne et si on a besoin de toi, on viendra te chercher. Faut que j'aille chercher un autre breton. Ah, mais t'es là? Alors, qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien. Qui c'est qui cherche? J'en sais rien, ils m'ont posé des tas de questions sur la Bretagne. Qu'est-ce que tu veux que je leur raconte, moi? Comment tu fais pour te souvenir du nom de ton bled de naissance, toi? Je suis allé voir dans le registre une fois. Ah oui. Moi, j'y suis même pas dans le registre. Bon, ben, je crois qu'il va falloir aller en Bretagne, hein. On va pas y couper. En Bretagne? Mm-hmm. Vous croyez qu'on a bien le temps de faire ça? Ça, je sais pas si on a le temps. Moi, en tout cas, c'est sûr que non, ça, j'ai pas le temps. Mais toi, ça me semble jouable. C'est pas vrai. Ah, bah, je suis désolé, mais il faut que je puisse avoir une idée précise de ce qui se passe sur place, Servius. On n'a qu'à leur demander de nous envoyer un compte-rendu. Ça sera plus simple. Tu les lis jamais, les comptes-rendus, Servius. Tu les lis jamais. Bon, alors. Non, je veux que tu y ailles pour t'imprégner. Que je m'imprègne de quoi? Eh ben, de l'ambiance, de... Mais je la connais, l'ambiance. C'est un front. Ils sont devant le mur d'Adrien, ils poirotent. L'ambiance, elle est pourrie, c'est tout. Pas besoin de ça pour m'imprégner. Tiens, Fleckus et Puissancieux nous ont laissé un message. Où ça? Ici, ils nous ont laissé un message. Et pourquoi ils sont pas rentrés? Je sais pas, moi, ils ont préféré laisser un message. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent savoir où on en est avec la Bretagne. Oh là. C'est toi? Mais je croyais que t'avais plus de permission. Je me suis démerdé. Tu t'es démerdé? T'as fait le mur, ouais? Il faudrait savoir, t'es pas contente quand je suis pas là, t'es pas contente quand je suis là. Je suis pas forcément contente à l'idée que tu te prennes des coups de fouet, figure-toi. Je suis venue te chercher. Ce soir, ma belle, on s'en met jusque-là. Où ça? Dans une villa de gros Bourges où il y a une fiesta à tout péter. On va s'en mettre plein le bide. T'es invité dans les fêtes de Bourges, toi, maintenant. T'inquiète, j'ai tout prévu. Ouais, mais le truc, c'est que je peux pas là, je suis pas toute seule. Comment ça, t'es pas toute seule? Tu te fous de moi? Non, mais ça va, c'est une fille. Tiens, viens à la fenêtre parce qu'il va me faire une attaque. Qui c'est celle-là? Un cadeau de Vérinos. Eh ben on l'embarque, elle aime pas bouffer ta copine. Je vais pas aller à une fête comme ça, j'ai même pas de mec. Merde, c'est pas vrai, on va pas louper une occasion pareille. Je vais lui en trouver un de mec, moi. Ben qui? Un mec un peu bien, hein, quand même. Tu vas demander à qui? Arturus? Ouais. Je suis pas sûr qu'il vienne. Mais bon, je vais le chercher, je reviens. Non mais... Et le couvre-feu! Il est comment? Arturus? Bon, pour une fête, ça va.
Churros, il y a Mani au parloir. Au parloir? Qu'est-ce qu'il faut au parloir? J'en sais rien, mais faut que tu ailles, sinon ça va être de ma faute et je vais me faire engueuler. Dis donc, quand est-ce que tu vas comprendre que t'as pas à te faire engueuler par Manilius, toi? Moi, ça me fait rien. Ça te fait rien? Non. Mani, il décide des trucs. Alors, des fois, ça l'énerve quand ça va pas assez vite. Moi, je décide rien. Alors, c'est normal que de temps en temps, je me fasse engueuler, non? Non, quoi? Toi, tu préfères décider des trucs ou te faire engueuler? Allez, viens, ça. Je t'emmène à une fête. À une fête où ça? Dans une putain de villa de Bourges. T'es invité aux fêtes dans les villas de Bourges, toi? Non. Mais attends. C'est Cailleuse qui tient l'entrée. Qu'est-ce qu'on risque? On risque de se faire gauler en traversant la ville sous le couvre-feu, déjà. C'est bon, c'est pas la première fois qu'on le fait. Allez, merde! On va bouffer, on va baiser, c'est quand même pas tous les jours. J'ai déjà bouffé. T'as bouffé de la merde? Ouais, mais j'ai déjà bouffé. Ouais, mais on va baiser aussi. T'as déjà baisé, peut-être? Mais viens, c'est quand même pas tous les jours. Mais, sans déconner, tu peux pas baiser et bouffer sans moi. Non. Parce que je vais emmener Lysinia. Si tu viens pas, l'autre conne, là, elle vient pas et Lysinia non plus. Quelle autre conne? Une conne. Mais, une fois arrivé là-bas, si t'as pas envie avec elle, tu vas avec une autre. Elle veut pas arriver toute seule, c'est tout. Toi, s'il te plaît. Oh. Pas, je vais pas gueuler. Mais monte les chercher. C'est fermé. Ah, mais c'est toi. Merde, ça fait une heure que j'appelle. Oui, bah je descends. Et Arturus, il est pas venu. Il fait le paix. Ah. Il fait le paix, ouais. Vous avez intérêt de vous grouiller parce qu'Arturus, dans deux minutes, il est parti. Ta gueule. Oh. Et où tu vas? Ça, c'est bon. Ouais, ça va. T'es sûr qu'il est là, ton copain? Mais oui, allez. C'est quoi, ça? Bah, c'est pour mettre dans les cheveux. Non, mais c'est blanc. C'est quoi? Blanc, on peut pas éviter. Non, mais c'est bon, elle le gardera planqué jusqu'à ce qu'on arrive. Moi, j'ai les jetons de me balader pendant le couvre-feu. Hein. Attends, Arturo, c'est moi, on connaît presque tous les chemins de patrouille, on risque rien. Pourquoi on doit se cacher sous un truc noir, alors? C'est au cas où. Allez, c'est parti. J'ai failli me tirer. Bon, voilà, donc c'est Arturus et... Yulia. Ah bah ça va. Qu'est-ce qui va? Bah il est pas trop dégueu, hein. Je croyais que j'allais tomber sur un truc, moi. Quel truc? J'ai rien dit, moi. Non, c'est moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, j'ai dit que ça allait. Ouais, mais quand tu l'as dit, ça faisait plus... Plus quoi? Ça faisait plus rien, j'ai dit que ça allait, c'est tout. Bon, mais du coup, ça te va ou ça te va pas? Si, carrément, ça me va. Ouais, t'es sûr, hein, parce que sinon tu me dis... Moi, en attendant, personne me demande si ça va. Allez, vous engueulez en chemin. Derrière les colonnes ?
devant les colonnes. Je préfère ni devant ni derrière, faut passer par là-bas. Ça nous rallonge par là-bas, c'est par là qu'on va, nous. Non, mais vous engueulez pas. Vous faites trop de bruit. N'empêche qu'on a plus de chances de tomber sur la patrouille vers les colonnes que par là-bas. Et c'est pour ça que je veux passer par derrière. Mais pourquoi tu me demandes alors? Eh ben, je te demande pas. Allez, on y va. La prochaine, elle arrive par où? J'en sais rien. T'en sais rien? Non, j'en sais rien. C'est pas moi qui organise les rondes. Quoi, vous savez pas d'où arrive la prochaine patrouille? Mais c'est pas vrai. Déjà, elle est par où, ta villa? Elle est pas loin. Je te demande pas si elle est loin, je te demande par où on va. On coupe. On coupe quoi? Foutez-moi la paix, suivez. On traverse comme ça en plein milieu? De toute façon, oui, on va pas se séparer. Et la patrouille? Ça doit être celle-là. Le seul truc, c'est qu'il faudrait qu'on soit sûr que c'est Caillos à l'entrée. Attends, c'est maintenant que tu te demandes si c'est Caillos à l'entrée? Non, mais c'est lui. Seulement, imagine qu'il y ait une relève. On tombe sur un qu'on connaît pas. Boum, il appelle la garde, on est cuit. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait que quelqu'un passe la tête discrètement pour vérifier que c'est Caillos. Parce que tu t'imagines que ça pourrait être quelqu'un d'autre que toi? C'est bon, c'est bon. Y'a quelqu'un? Coucou. Non, c'est pas vrai, mais je croyais que t'as échangé d'avis. Moi? Non, sûrement pas. Eh oh, mais vous venez à combien, là? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est toi qui paye les repas? Non, mais faire entrer une ou deux personnes, c'est quand même un peu plus discret que d'en faire entrer quatre. Bah, à cette heure-ci, dans les fêtes, ça fait longtemps qu'ils sont beurrés. Mais bien sûr, on pourrait rentrer à 30, ils nous verraient même pas. Eh ben, en tout cas, vous faites pas les cons, hein. Commencez pas à gueuler ou à piquer des trucs, parce que moi, je suis responsable. Oh, responsable. Attends, t'es responsable des entrées, quoi. Et puis, s'il y a un problème, c'est bien qu'on soit là, tu nous appelles. Ouais. Pour ça, faudra vraiment qu'il y ait une sacrée tuile, parce que s'il y a un truc que j'ai plus envie de boire, c'est vos tronches. C'est encore mieux que ce que je croyais. On va commencer par bouffer comme des malades, on va picoler, et après on prendra le temps de vérifier qu'on s'entend toujours aussi bien. Fais quand même gaffe à ton ventre, on a pas l'habitude. Il va s'y faire. T'as plutôt faim ou t'as plutôt envie de baiser? Bah là, j'ai plutôt faim. Et quand t'auras plus faim, tu comptes taper dans les filles qui sont là ou... Bon, je sais pas. Et toi, dans le tas de gros porcs, y'en a un qui te tente ou pas? Honnêtement, si on pouvait s'arranger tous les deux. Bon, allons bouffer. Ça y est, il a reçu les lingots. Et? Eh bien, il prend la nuit pour réfléchir, et si demain à l'aube les lingots sont pas revenus, c'est qu'il accepte le traité de paix. Et si les lingots reviennent, c'est qu'on se prend une attaque dans l'après-midi. Bah oui, ouais. Ça fait quand même un beau paquet de pognon, hein. Pourquoi voulez-vous qu'il refuse? Parce qu'il nous aime pas. Non, mais il aime vraiment le pognon. Il faudrait aussi qu'il baisse son froc devant les autres. Ouais, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est cette histoire de serment, là. Vous croyez qu'un type comme ça peut tenir parole? Faut être drôlement futé pour rompre un serment cordieuse. Lui, il est con comme ses pieds. Ouais. Mais s'il promet, il tiendra parole. Vous voulez goûter le... Non. Ça veut combien de beignets que tu manges? Pas, non. T'as vomi?
Non, pas encore. Toi aussi, t'es militaire? Ouais. Dans la Légion? Non. Dans la milice urbaine. Et ça te plaît? Bouf. C'est quoi qui te plaît? Pas plutôt la stratégie. Les mouvements de cohorte. Les machines de guerre. Dans ta caserne, ils t'apprennent ça? Un peu, ouais. Tu lis les récits des généraux. Tu sais lire? Un peu. Tu viens d'où? De l'île de Bretagne. Ça te dit de faire une pause avec la bouffe? Allez, ouais. Savoir si le souverain ennemi acceptera un traité de paix si fragile, si friable, qu'on aurait même de la peine à le prendre au sérieux. Des solutions précaires, du rafistolage, voilà tout ce que j'ai su inventer. La Bretagne résistait quand je suis arrivé. Elle résistera encore quand je partirai. Je ne saurais dire pourquoi. Je conserve encore, rescapé de mon découragement, une curiosité. Existe-t-il quelqu'un parmi nous déjà, ou encore à naître, qui se destine à restaurer l'ordre sur l'île de Bretagne? Et s'il existe, que peut-il bien posséder que je ne possède moi-même? D'où vient-il? Est-il romain? Quelle arme tient-il à sa ceinture? Celui qui vaincra là où j'ai échoué, je voudrais voir son visage, une fois. Car je lui conserve encore, rescapé de mon découragement, ma curiosité. Alors, je suis humilié. Moi qui croyais que le Romain respectait ses ennemis. Eh ben non. En voilà encore une belle désillusion. S'ils croient que c'est avec une mentalité pareille qu'ils vont fédérer le pays, on leur rend leur fric, on remonte sur les chevaux et on leur met sur la gueule! D'un autre côté, restituer une pareille quantité de blé, ça frise le mauvais goût. Désolé. Mais ça ne se fait pas. Ne serait-ce que par respect pour les plus nécessiteux. Bon, allons. Après, il y a le serment. Si je garde le blé, j'attaque pas. Eh ben voilà. Je garde le blé, j'attaque pas. Un serment, c'est sacré. Mais ce qui m'ennuie, c'est que c'est pile le jour que j'avais choisi pour vous passer le pouvoir. C'est quelque chose, les dates, hein? Je garde le blé. J'attaque pas. Je suis sous serment. Mais vous, maintenant que vous êtes roi de Carmélide, si vous prend l'envie d'aller leur dérouiller le cul, je ne vois vraiment pas comment je pourrais vous en empêcher.
les gars. Vous savez ce qu'on bouffe ce soir? Du romain. Ouais.